To a new Halloween video. Mm-hmm. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Halloween. Et oui, le jour J arrive bientôt, et si vous êtes comme nous, ça vous donne l'occasion de faire une fiesta déguisée à la maison. Aujourd'hui, on va vous proposer 6 idées de snacks déco salés et sucrés pour rendre votre buffet de fête Halloweenesque. Let's do it. Mm-hmm. On rentre de suite dans le vif du sujet avec les snacks salés. Pour ce premier snack, on s'attaque à des œufs araignées. Ils sont tellement bons, cute et effrayants à la fois. Pour la recette, il vous faudra des œufs durs, des olives noires dénoyautées et de la mayonnaise. On commence par découper les olives en lamelles. Elles nous serviront pour créer les pattes de nos araignées. Nous, on les a coupées en deux dans la longueur, puis on a fait des lamelles dans la largeur. On va ensuite sortir les jaunes des œufs pour les mettre dans une assiette. On ajoute la mayonnaise à notre goût et on mélange. Une fois que c'est fait, on ressort nos blancs d'œufs que l'on va remplir avec la mixture jaune d'œuf mayonnaise, puis on passe à la création de notre araignée. On pose une olive entière au centre des jaunes d'œufs et on ajoute nos lamelles autour pour créer les pattes. C'est super simple, super efficace et rapide à faire quand on n'a pas trop de temps devant soi. Notre deuxième snack est lui un peu plus gore. On a donc préparé des pains à hot dog, des saucisses et du ketchup. La clé du réalisme est la réalisation des ongles et des phalanges sur la saucisse. Nous, on s'est servi d'un économe pour creuser les ongles, puis d'un couteau pour faire les phalanges. N'hésitez pas à prendre modèle sur vos propres doigts, ça aide vachement. On met ensuite un peu de ketchup dans nos pains hot dog, puis on dispose les doigts de façon à ce qu'ils soient bien visibles. On ajoute du ketchup aux endroits stratégiques et selon notre goût. Et voilà, c'est fini. Cette recette est aussi super rapide à faire et son réalisme fera trembler vos invités. Je vous promets pas qu'ils aient vraiment envie d'en manger par contre. Ce troisième snack salé va habiller votre table d'Halloween de mille feux. Pour faire cette pièce maîtresse de votre décoration, il vous faudra seulement du guacamole, des chips et une citrouille. Nous on a pris une fausse citrouille, faute d'en trouver une vraie, mais si vous avez la possibilité d'en tailler une vraie, alors allez-y. Le but du jeu est cruellement simple. Il suffit de disposer votre citrouille dans un plateau, de verser votre guacamole de façon à ce qu'il ressemble à un joli et mignon vomi de citrouille, et de disposer gracieusement vos chips autour. En quelques minutes, le tour est joué. Vos amis mourront d'envie de se jeter sur votre somptueux buffet. C'est l'heure du dessert. Halloween n'est rien sans ses délicieuses sucreries et ses marshmallows Frankenstein vont ravir vos convives. Pour réaliser cette douceur, il vous faudra des marshmallows, du chocolat fondu de couleur verte, des bâtons à sucette, des confettis de chocolat, des dragées de couleur et des yeux en sucre. Pour commencer, on enfonce un bâton dans notre marshmallow. Quelle cruauté, le pauvre. Et on va ensuite le recouvrir de chocolat vert. Tant que notre chocolat est encore liquide, on va tremper la tête de ce Frankenstein en devenir dans les confettis de chocolat pour lui créer des cheveux. C'est si mignon. On le dote ensuite de deux jolis grands yeux en sucre et de deux boulons en dragée jaune qui font son authenticité. On répète l'opération autant de fois que nécessaire pour créer une armée de Frankenstein et voilà, nos amis verts sont prêts à être dégustés. On passe à notre deuxième snack sucré qui n'est autre que des petites et mignonnes chauves-souris prêtes à être dévorées. Pour les reproduire, vous aurez besoin de tartelettes Reese, de quelques Oreos et encore une fois, des yeux en sucre. On va tout d'abord éventrer nos Oreos de façon à extraire leur crème et nettoyer le biscuit. Une vraie torture. À l'aide d'un couteau, on va ensuite couper nos biscuits en deux parts égales. Ils seront les ailes de nos chauves-souris. On va maintenant créer notre chauve-souris de toutes pièces en commençant par déballer son corps fait de tartelettes Reese. On prélève un peu de crème d'Oreo qui va nous aider à coller les yeux de la bestiole et on place ces derniers au centre de notre tartelette. On passe ensuite aux ailes que l'on va coller de la même façon en les plaçant juste à côté des yeux. Pour un plus bel effet, la partie arrondie du biscuit doit être vers le haut. Et voilà pour nos bébêtes si mignonnes qui donneront un côté très graphique à votre buffet. On arrive au dernier snack sucré qui va amener encore un peu plus de détails à votre fête. Ces sucettes citrouille et Mr. Jack seront faites en un rien de temps. Pour les faire, il vous faudra bien évidemment des sucettes, du ruban noir et orange et un design pour recouvrir le tout. J'ai décidé de créer moi-même deux patrons que j'ai imprimés. Pour les plus fainéants d'entre vous, je mettrai le lien en barre d'informations. On découpe le tour d'un des patrons. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait puisque l'on va ensuite découper des triangles plus ou moins réguliers, surtout le pourtour de notre cercle.
Une fois que c'est fait, on va placer délicatement notre patron sur notre sucette en essayant de faire le moins de plis possible. Et on termine par fixer le tout avec notre ruban. Votre effroyable buffet est maintenant prêt à être dévoré. Il n'y a plus qu'à accueillir vos convives. Joyeux Halloween! Voilà donc pour ces 6 idées de snacks d'Halloween ultra simples à faire. Si vous avez aimé ces idées, laissez-nous un petit pouce bleu et n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle est votre préférée. On se rapproche petit à petit des 100 abonnés, alors rejoignez vite la Jordan Family pour qu'on arrive à atteindre cet objectif avant 2057. Sur ce, nous on vous dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là on vous fait plein de bisous et on vous souhaite un effrayant Halloween. Bye bye!